Eh bien, salut tout le monde, c'est Selm. Aujourd'hui, on se retrouve sur le deuxième épisode de Outlast 2. Donc, on reprend exactement là où on s'était arrêté. Donc, il y avait une. Deux clans qui essayaient. Comment dire. De prendre notre. Notre sœur, notre copine, je sais pas. Et. Une femme qui nous avait léché la joue, léché l'oreille, enfin elle nous avait tout léché le visage. J'ai regardé un petit peu pour la vidéo numéro 1, là ça s'était assez bien passé. J'avais pas trop eu de problème. Les apparts rendus avaient duré un certain temps. Ok, donc ah ouais. Je sais pas ce qu'il leur en fait, mais. Alors, par où on doit aller du coup? J'imagine par là. Je ne sais pas trop. Par là, ok, on va devoir se cacher, j'imagine. Tu es stérile, tu ne prenons pas, mais tu deviendras enceinte. Notre cœur est souffrant, nos yeux sont obscurcis. Pas foiré. Je crois qu'on s'est foiré. Ah. Bon, on démarre bien, hein. Putain, ça me saoule ça par contre. Ça dans l'épisode 1 déjà ça m'avait saoulé. J'ai mis j'ai coupé 10 minutes de vidéo dans l'épisode 1 parce que justement j'avais eu un petit but là où il y avait le premier truc Seigneur. Ça t'a fait enculer mais que ça sévèrement. Laisse-moi appeler hérétique. Ils ont appelé Lynn, mère, et il n'y a pas que la secte. Il y a deux camps. Faut pas discuter dans le droit, les chrétiens et autre chose. Peut-être aller par là. J'aimerais du coup ça. J'ai mis en normal. Oh d'accord. Le mec plaisante pas, il va. On va pas avoir le temps de fouiller. Ah, nouveau flashback. Ouais, il faut utiliser la batterie. Mais qu'est-ce que. Okay, je rêve. Salle de classe. Où j'ai perdu la tête. Donc, j'ai pas encore trop compris l'histoire, mais je vais essayer de faire en sorte de mieux la comprendre. La classe de musique. Ah, c'est ça, d'accord, il faut finir. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica. Je pense que la meuf elle doit avoir un rapport quand même avec tout ça. Forcément elle a pas voulu nous en parler. Alors, ramasser. Jessica et Lynn. Quand nous étions. Jessica. C'est peut-être elle sa sœur du coup. La classe de musique. Oh merde. Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. Oh! C'est quoi avec la caméra là? On va ouvrir. On peut pas. Très bien. Bloqué. Si. Oui. Là, on peut pas. Très bien. Oh, on peut. Ah, se cacher. D'accord, très bien. On va pas se cacher tout de suite. Putain. Ça peut tellement venir sur les côtés là. C'est un flashback, je sais pas trop si. Est-ce qu'on peut mourir dans le flashback? On va aller par là alors. Y'a pas un petit truc à ramasser? Ah, maintenant. J'ai pas envie d'y aller en vrai.
tolérance. Oh, pardon. Oh, putain. On y retourne. Allez, encore, encore, encore. Là, non. Ah, il faut aller là, hein. Vite, vite. Ah oui, le monsieur des lunettes, j'avais oublié. Oh, oh. C'est vous, pas vrai? L'étranger? L'œil de Nott, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Ah. Pas encore. Eh ben, ils le feront si vous trouvez ici. Venez. Qui êtes-vous? C'est monsieur, vous nous aidez? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la gale. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Nott s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Beaucoup de scénarios quand même dans ce Outlast 2 comparé au premier où c'est vrai que t'étais balancé dans le jeu et t'as fait ton objectif. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Cinto. Quoi? Votre fille. Elle était enceinte de 8 mois. Des cheveux blonds coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie. Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. C'est pas elle qui s'est fait étrangler et tout. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. J'espère pas parce que sinon il va être caché là, monsieur. Vous feriez mieux d'entrer. J'ai moyennement confiance. Oh, oh, oh là. Vous vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Oui, ça va aller. J'ai. Oula, oula. Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. J'aime pas trop ça, hein. J'aime vraiment pas. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. J'ai peur. En vrai, j'ai peur de lui, là. Impossible de porter plus de bandages. Ok. Dormir. On va regarder s'il n'y a pas autre chose à faire avant. Là. Là, il n'y a rien. 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 Non, il n'y a rien. J'aime pas ça du tout. Hein. J'aime pas ça du tout. On va dormir, hein, vu qu'on n'a pas d'autre option de venir. Ok. Je ne cache rien.
La vertu ne peut pas passer dans le sang par les reins, mais par le sang de ton cœur. Oh, oh. Je connais bien l'évangile de papa. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le quitter. Oh bâtard, elle est juste là. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Je t'en prie, laisse-moi parler à Nat. Où est l'étranger? C'est ce mensonge a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nat, je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Ne bouge pas. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu. Jeton du diable. J'espère que t'as retrouvé ta fille. C'est parti, hein. Elle est plus là. Oh God. Il ne lui a rien dit. Ah bah si sympa. Il aurait pu l'ouvrir, mais... Merci. Ouais. Oh là 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 là. J'aime bien quand même, ça fait une petite histoire là dans Outlast. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de screamers comme au début. Pile, plaisir. Je sais pas si un compteur de piles. Tab. Oui, c'est tab. Voilà. Regardez vos poches droites pour utiliser les bandages. Oui, mais je vois pas. Donc, ça, c'est juste les. Ok, c'est juste ça. J'ai net job. Ok, je sais pas. C'est tout. C'est tout ce que je voulais voir. Ah, une petite note. Penali était malade, c'est la vérité, elle vivait avec sa maman, le reste des galeux. Heureusement infligé, des blessures trop horribles pour être examinées, je l'ai simplement oublié car c'est tout ce que je pouvais faire. Ok, ok, ok. Non, c'est pas ça, voilà. Ton cousin Ethan, posé, oui. Alors, le monsieur, il avait pas une petite pile sur son corps? On lui a marché dessus, mais on a l'impression. Qu'est-ce qu'il mangeait, tiens? Du maïs? Il mangeait des trucs bizarres quand même, hein. Je veux pas dire, mais... C'est là où il... Ouais, on va pas s'attarder là-dessus. Oh, la Bible. Tiens, il en a plein des Bibles. Bam, bam, bam. Je sens qu'il y a un machin qui va pas tarder à me sauter à la gueule. Par là d'où on vient. C'est dommage, on avait un allié. Il a duré 5 minutes. J'aime pas. Ça sent mal. Deux chemins possibles. Je sais pas, est-ce que par là il y a de l'eau? On peut sûrement pas passer. Non, j'aime pas, j'ai peur. Une torche, ok. C'est quoi ces bruits? Putain, j'ai eu peur, c'est des yeux. Faut-tu aller par là? C'est la meuf. Il y a des lames de poisson. Nous sommes.
peut-être juste une folle en fait. Non, mais elle va peut-être alerter tout le monde. Elle. Nous sommes couverts de la gloire pourpre de la révélation. Parti. Oui. On va sauter là. Ok, très bien. Pas du tout. Quand même, parce qu'avant tu pouvais passer inaperçu en étant juste accroupi. Ok, j'ai l'impression qu'on peut passer par là. Pourquoi hein. C'était de la merde, je pense. Ouais. Petit épouvantail. Se cacher. Là-dedans ? Ah, plus de bandage. Petite note. Je pense que j'ai loupé énormément de notes vu que j'ai dû courir à un moment. Bah la meuf elle est partie où ? Bon, on peut se cacher cette cabane. Des tétailles. Oula ! Ah oui, j'avais pas vu. Ah ils ont des cornes les machins. C'est normal ça ? Chaud. Bon, on va avancer. Hein. Pour utiliser... Ah, c'est V, voilà. Passer par ce genre de porte. Ouais, ça c'est les portes qui sont fermées. Les barbelés partout. Donc par logique, il va falloir trouver un passage. Oh merde ! Là ! Oh putain, vite ! Cours, dépêche-toi. Ah oui, c'est pour ça que ça. Ah mais non. D'accord. Bon, bah c'est noté. C'était sûr. Ce monsieur. Nous devons y faire
attendent parmi les étrangers en notre demeure. Donnez-leur. Allez, on va essayer de passer par là. Le point, si c'est tout ce que vous avez. Dieu se réjouit de l'effusion qui sont des malfaisants. Ça sert à rien de se soigner quand tu cours en fait. C'est... Alors. Ici encore du monde. J'allais me relever mais. Mais là je ne veux pas. Donc non, pas ce plan là s'il te plaît. Tandis quand il passe près, dans son peuf terrain. Merde, 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 merde. Bah oui. Il m'a vu. Tu connaîtras des épreuves. Je suis plein de la fureur de l'éternel. Allez, sur les couilles, on y va. Si je puis, pouvez-vous demander au grand-père de pardonner ma famille? Le diable lui-même doit aimer son père. Chargé. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Je pensais qu'il y avait une porte ici. On voit rien, c'est un truc de fou. Hein. Ah, merde. Bon. Oh. Je ne peux pas ouvrir la porte. Oh, bien. Ah oui. Ah oui. Il a une machette, c'est qu'il est pas gentil lui. Là-dedans, ok. Là, y a rien. Ah, d'accord.
tu es enfin un ange de Dieu. Ok, d'accord, d'accord. Bien connu. Ils sont vénères à ce point. Je suis le cœur des hurlements. Okay, je vais voir un truc là, mais je trouve que c'est compliqué de réfléchir. C'est terrible. C'est une apprenante comme tu deviendras en scène. Ok. Bon. Il n'y a pas d'endroit où pas le n'importe quel diable peut la cacher. Certes. Il a l'air d'avoir une bonne, donc leur. Paradis viendra. Dis à Dieu que je ne t'ai pas fait trop mal. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne. J'ai peur de me faire enculer. Bon. C'est qu'il faut passer. Voici une roue assise sur la terre, comme toutes les créatures vivantes. D'accord, ça peut être le choix. Enfin, un ange de Dieu. Ok, non, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là, bâtard. Pourquoi il veut pas? Je crois pas qu'on peut parler. Oh là là, c'est chaud, putain. Bah oui, il m'a vu. Non mais sérieusement, mais... Ah! Ah! On a trouvé. C'est bien. Bon, on va se soigner. Je sais pas combien de temps ça va... Alors, on est où là? Ok.
What? Ah! Putain, j'aime pas ça. Ok. On fera ça la prochaine fois. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Ça fait déjà un bon moment qu'on a tenté de galérer comme des cons. Donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je sais que j'ai pas beaucoup parlé durant cette vidéo. J'étais hyper concentré, j'étais hyper stressé, ça me stresse, voilà. Donc je vous dis à demain pour tout simplement le troisième épisode qui arrivera qui arrivera demain, oui. Forcément, logique. Allez, je vous dis à plus. Et mettez un petit pouce bleu évidemment si ça vous a plu.